On a le plaisir de faire le lancement du programme annuel de parrainage de start-up de Microsoft pour l'année 2013. Maintenant, vraiment félicitations pour toutes les compétences tunisiennes, tous les jeunes tunisiens. Il y a vraiment de très bons projets qui sont très intéressants en termes d'innovation. Notre programme de parrainage de start-up, c'est en partenariat avec Tunisiana Startup Factory et l'initiative Soukhatan Mia de la Banque africaine de développement. Ce programme, on va offrir à tous les startups parrainées au MIC l'accès au logiciel gratuitement à travers notre programme global BizSpark. Alors, ce qui était génial déjà à MIC, bien sûr, à part les formations techniques et managériales, c'est bien sûr tout l'aspect networking et la preuve, on rencontre de belles personnes très intéressantes qui nous permettent de faire des choses sympathiques et tout ce qui est lobbying, bref, c'est ce qui était sympathique. Être accompagné, que ce soit en fait au niveau du management. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir les outils nécessaires et Microsoft a un panel très intéressant d'outils. Vous bénéficiez d'un espace de travail qui est très très convivial. On a gagné un petit prix marm et aidé à atteindre un choix de visibilité médiatique dont on a profité aussi. Et voilà, donc on est de retour pour profiter encore plus de ces avantages-là. J'encourage les jeunes promoteurs à ne pas hésiter pour être justement parrainés par Microsoft, encadrés, coachés. On a bénéficié de très bons coachs de chez Microsoft, de la visibilité, notamment sur les salons et tout ça. Donc ça donne une valeur ajoutée certaine à la compagnie. Parce que les startups naissent, la vision est une vision ambitieuse, internationale, elle ne se limite pas à Tunis. Deux, il faut s'entourer par la bonne équipe. On ne peut pas réussir une expérience entrepreneuriale tout seul. Une bonne étude de marché et surtout une bonne étude financière pour pouvoir demander un financement et bien pitcher. Il faut prendre des risques, il faut bien s'organiser et surtout savoir s'entourer de bons partenaires, de bonnes personnes. Une bonne équipe, c'est la base de tout. Et voilà, de la transparence, barche honnêteté, et voilà, le grinta yedji. À la fin de chaque année, Microsoft annonce un appel à candidature. Tout simplement, la meilleure façon d'avoir cette information, c'est sur la page Facebook de MIC, ce qui est MIC Tunisie.